Un billet à 0 en faveur de Don Bosco. Assez bon bol. C'est pas le match qui va être difficile pour l'équipe de l'ASC. Assez bon bol. 1 à 0 pour l'équipe de Don Bosco de Pétionville. C'est pas le début de deuxième entre l'ASC et le Don Bosco de Pétionville. Habitant pour monter sur Pélouse là et qui a essayé avec Don Bosco qui déjà sur Pélouse là. On voit juste un peu habitant en bas pour siffler au deuxième période là. Voilà, c'est toujours un but partout entre l'équipe de l'ASC et le Don Bosco de Pétionville. Il y a un gars qui est inscrit. Golden Bosco a été inscrit par le numéro 6 Ebner, et puis Danica Midabal joue une égalisation pour l'équipe de l'ASC sur le pénal à la 30e minute du jeu. Et même Danica Midabal a raté un autre pénal, encore qui était capable de permettre l'équipe de l'ASC de mener par le design. On a regardé de l'ASC à lui-même qui a motivé là, parce que victoire c'est le même qui prime pour Monsieur. Si tu veux jouer plus haut là, victoire lui-même, l'est évident pour lui. Et aussi l'équipe a donné soin lui-même pour être motivé, parce que victoire lui-même, c'est un impératif pour lui. Mais nous prenons le ballon lui-même, nous voulons. Pour toutes les deux équipes, Nathan Benoît qui est entre deux équipes Sao qui va remporter un coup de football là. Ou du moins, est-ce que c'est un match qui a fini dans le score du parti. Voilà. Goal Edner 1, numéro 6 équipe de Bosco, nous sommes marqués à la 11e minute de jeu. On trouve du Beldo qui était bien plusieurs temps pour buter le chantier, qui va passer plusieurs journées qu'il va jouer avec l'équipe de l'ASC et il va le faire apparition au niveau de rencontre footballiste. On va chauffer. On va rendre ça que Beldo pour le coutume. En plus pour l'équipe de l'ASC qui a besoin de toi. Et nous avons l'équipe Don Bosco lui-même qui a annoncé un changement majeur. C'est Bernard et Almoune qui sortit. On place par Beldo. Le 2 à 11. On peut voir dans ce stade-là. Beldo joue 4 matchs. On a fait 3 balles pour l'équipe de l'ASC.